Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie comme à chaque fois de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un truc assez important en vidéo quand même, la mise au point. Parce que quand on fait une mauvaise mise au point, on se retrouve avec une vidéo floue en fait. Bah c'est dommage quoi. Du coup on va parler de ça aujourd'hui, particulièrement de la mise au point manuelle parce que moi j'utilise jamais l'autofocus. On va commencer avec une première partie où je vais vous expliquer vraiment très rapidement pourquoi moi je n'utilise pas l'autofocus et ensuite la deuxième partie où je vais vous donner des conseils pour bien filmer avec une mise au point manuelle. Donc ne partez pas dès le début, attendez les petits conseils parce que ça peut vous aider pour la suite. Allez, on commence tout de suite. La première raison pour laquelle j'utilise pas l'autofocus, c'est parce qu'en fait j'ai commencé la vidéo via le cinéma, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait des études de cinéma, donc la première fois que j'ai touché une caméra de ma vie, c'était pour des courts-métrages. Et au cinéma, on n'utilise pas l'autofocus. Il y a l'assistant caméra qui s'occupe du point, il est à côté du cadreur, il a un follow focus à côté, et il gère vraiment que ça. Donc on n'utilise jamais l'autofocus, c'est toujours du manuel focus. Donc moi, à partir du moment où j'ai commencé à prendre une caméra en main, j'utilisais que le manuel focus. Donc quand j'ai commencé à faire de la vidéo, j'ai pas forcément perdu cette habitude-là. Je me suis vraiment habituée à ça. Du coup, maintenant, je fais vraiment confiance à mon œil. J'ai pris l'habitude depuis le temps que je le fais. Et donc maintenant, ça me pose vraiment plus du tout de problème de filmer comme ça. Ensuite, la deuxième raison pourquoi j'utilise pas l'autofocus, c'est que tout simplement, j'ai un Panasonic. Je pense que je pourrais m'arrêter là. C'est bien connu que les Panasonic sont pas les meilleurs en autofocus. Ça me donne pas forcément envie de tester l'autofocus plus que ça. J'ai déjà testé avec mon G80 parce que je voulais quand même essayer, je voulais m'y mettre un petit peu. C'est pas dingue. Je pense qu'il y a des moments où je pourrais l'utiliser, mais vraiment là, c'est vraiment pas ma priorité. Si un jour je passe sur du Canon ou sur du Sony où je sais que là, l'autofocus est vraiment bon, peut-être qu'éventuellement là, je passerai sur l'autofocus. Mais en attendant, avec mon Panasonic, je tente pas quoi. Je veux pas prendre de risques. On passe à la deuxième partie. J'espère que vous êtes pas partis parce que c'est là où ça devient intéressant. C'est quand même là où je vous donne mes petits tips quand même. C'est tout ce qu'on attend. On passe donc tout de suite à la première chose. Comme je vous l'ai dit, la mise au point c'est très important et il y a des fonctionnalités qui peuvent nous aider à la faire sur nos appareils. En général, maintenant il y a beaucoup d'appareils qui le proposent. Je parle particulièrement du focus peaking. Le focus peaking, qu'est-ce que c'est? En fait, sur votre image, ce qui est au point va apparaître en surbrillance. Donc moi, mon focus peaking, il est bleu par exemple. Donc je vais avoir des petits pixels bleus comme ça là autour de ce qui est net. Et comme ça, je sais ce qui est net quand je fais le point. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Surtout que on peut se fier à son œil, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ça aide un petit peu quand on voit pas bien notre écran, quand on n'a pas forcément de moniteur de retour, on voit pas bien. Sur le petit écran de votre caméra, c'est quand même pas mal d'avoir ce petit focus peaking. Ensuite, moi, sur mon appareil, j'ai aussi, comme vous pouvez le voir, une petite barre avec une petite montagne et une petite fleur. Ça, c'est pratique, c'est un peu gadget, mais en vrai, des fois, je l'utilise parce qu'en fait, quand le curseur va vers la montagne, c'est que ma mise au point va vers l'arrière-plan. Va au fond du... va au bout, je sais pas trop comment le dire, va vers la montagne quoi, loin. Et quand elle s'approche de la petite fleur, c'est que c'est plus proche de la caméra, donc plus proche de moi. Donc en fait, je connais plus facilement le sens de mise au point, quand je veux me rapprocher ou non. Donc ça, c'est assez pratique. Après, je vous rassure, si vous n'avez pas ça sur votre appareil, moi j'ai commencé à faire de la vidéo avec mon Canon 100D qui n'avait rien de tout ça parce que c'était pas un appareil vraiment vidéo. Et comme vous pouvez le voir, j'avais des images nettes parce que voilà, la mise au point, il n'y avait pas de souci. Donc vraiment, faites confiance à votre œil, c'est déjà très très bien. Enfin, je veux dire, votre œil ne va pas vous mentir. Enfin, sauf si vous avez des lunettes et que vous les oubliez. Là, je peux rien faire pour vous. Là, faut faire un effort quoi. Donc ça, c'était les fonctionnalités dans un appareil photo qui peuvent vous aider à faire la mise au point. Mais comme je vous l'ai dit, faites confiance à votre œil, c'est le plus important. Après, le principal avec la mise au point manuelle, c'est qu'il faut s'entraîner. Moi, comme je vous le dis, maintenant, j'ai plus trop de problèmes à faire cette mise au point comme ça, parce que ça fait des années que j'utilise la mise au point manuelle, donc forcément, au bout d'un moment, ça vient tout seul, vous savez le gérer, mais en fait, il faut pas abandonner. Oui, bah, écoute, je tourne une vidéo. Donc faut vraiment pas abandonner, il faut vraiment vraiment persévérer parce que ça va venir en fait, il y a vraiment, c'est vraiment tout est une question d'entraînement. Alors on va partir sur des petits conseils. Tout d'abord pour filmer des objets immobiles, c'est vraiment vraiment pas compliqué. En général moi ce que je fais c'est que j'aime quand même bien toujours dans mes vidéos avoir des amorces quand je découvre un objet. Donc en général ce que je fais c'est que je fais ma mise au point au début. Ensuite, je passe derrière l'objet que je veux en amorce et je fais mon mouvement et j'arrive, je suis net. C'est très très facile à faire, c'est un peu le basique, mais je vous donne quand même
le petit tips. Ensuite, ce qui peut être pas mal, et moi je sais que des fois j'utilise quand même assez souvent, parce que ça donne un effet assez sympa, c'est commencer, il y a un objet en flou derrière, et votre mouvement commence, et vous êtes en flou jusqu'à vous approcher de l'objet, lorsque vous êtes très proche de l'objet, il devient net. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Le problème, c'est que en général, si on en mise au point manuel, il faut arriver au bon endroit, il faut être sûr de la distance, parce que du coup, en général, on a une grande ouverture pour avoir du flou, toujours un peu branque-balance, ce truc-là. Du coup, là, ce que je vous conseille, petit tips, c'est de la filmer à l'envers en fait. Ça je vous en avais déjà parlé je crois dans la vidéo B-roll. Vous avez juste à filmer net, vous faites votre mise au point sur votre objet et vous reculez. Ça va devenir flou. Et ensuite, en post-prod, en montage, vous avez juste à inverser le plan et vous aurez l'arrivée sur la fleur par exemple net ou l'objet que vous voulez filmer. Donc là c'est un petit conseil, mais c'est vrai que c'est vraiment pas mal en mise au point manuel de vraiment pas hésiter si on a peur que la mise au point soit ratée, de faire la mise au point au début et ensuite vous inversez le plan. Donc ça peut marcher, bon ça marche surtout pour des trucs qui bougent pas, sinon c'est peut-être un peu plus compliqué. Et justement, super transition, ça fait longtemps que j'avais pas fait des petites transitions comme ça, je suis sûre que vous êtes ravis d'en voir. On va parler de objets en mouvement, parce que forcément vous allez me dire, bah ouais mais t'es gentil Caro, mais quand c'est fixe ça va, c'est pas compliqué, on n'est pas stupide, mais quand l'objet il bouge, comment tu fais? Vous avez bien fait de rester jusque là hein. Et ben en fait c'est assez simple, comme je vous l'ai dit, vous allez peut-être pas y arriver du premier coup, mais c'est une question d'habitude, c'est une question d'entraînement. J'ai plus vraiment de problème à suivre quelqu'un avec la mise au point manuelle. Alors forcément je vous dis pas avec un gimbal en courant, parce que j'ai pas de gimbal, et je cours rarement derrière les gens aussi. Mais ce qui est assez simple, c'est de toujours garder la même distance entre vous, votre caméra et votre sujet. C'est-à-dire que votre caméra va être là, votre sujet va être là, votre mise au point va être faite. Et quand la personne va bouger, il faudra bouger en même temps qu'elle. Toujours garder la même distance, comme ça votre mise au point ne bougera pas. En général, quand il y a un personnage qui marche, c'est assez facile de le suivre. Et si vraiment vous n'arrivez pas trop à garder le focus sur la personne qui marche, ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider, c'est de réduire votre ouverture. Plus vous avez une grande ouverture, plus vous avez de flou. Donc plus votre zone de netteté va être réduite. Du coup, si vous voulez agrandir cette zone de netteté pour avoir un peu de marge pour si jamais vous vacillez un peu et vous n'êtes pas complètement toujours à la même distance, fermez un peu votre ouverture, vous aurez une plus grande zone de netteté et ce sera moins compliqué de garder votre sujet net. Voilà, donc j'en ai fini avec les petits conseils que j'avais à vous donner. Si vous avez des questions sur la mise au point, si vous avez des situations où vraiment vous n'arrivez pas à faire la mise au point en manuel, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre, vous donner d'autres conseils éventuellement pour réussir à faire ces mises au point. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt dans le studio de Caro. Salut!